Oh bah tiens. Oh, j'aurais dû équiper foudre. Ce kick. Oh, c'est pas la meilleure idée de la vie, mais ouais, ok. Oh, on peut esquiver les combats? Je savais pas. Le président ne va pas être déçu. Vite, on recule. Oh, triple Sephiroth. Ah non. Oula. Pompée à nul. Non. Non. J'ai mal. Petit soin des familles. On le critique, on le critique, on le critique. On le critique. Vol d'araignée. Oh, l'esquive. Non. Ok, ça passe. Une vieille connaissance, ouais. Aïe. Ça ne sert à rien. Mais arrête! Arrête de m'embêter! Parce que t'as un combo à me donner. Oh, c'était écrit ou attaque puissante, je sais pas quoi. A Genesis copy. Pas le temps de voir. Where did you hear that? Sephiroth said it. The technology was stolen from our scientists. Huh? It apparently allows Genesis's abilities and traits to be transplanted to soldier members and monsters. Soldier and monsters, we're the same? Ça fait réfléchir. Il est détruit pour de bon, pas vrai? Zach, arrête de perdre du temps, il faut se dépêcher. Excuse-moi, papa. Je vais juste sauvegarder. Bon là déjà le combat était déjà plus intéressant. Les problèmes internes de cette sorte doivent être réglés avant que le public n'apprenne la vérité. Il n'y a toujours aucun signe des habitants. Allons voir dans les maisons. Genre celle-là. Oh, il y a un coffre là-bas. Potion X. Au calme. Doux et rafraîchissant, jus de fruits de Banora, 120 gills. Ça a l'air bon. L'usine de conserve de fruits se trouve juste après les habitations. Alors s'ils nous disent ça, c'est que c'est là-bas qu'il doit y avoir des choses.
This is Genesis's home. His parents are wealthy landowners. But I never stole from that tree, because the wealthy man's son was my friend. Oui, Angel et Genesis. They grew up together and were best friends. So Genesis deserts and gets his best friend Angel to join him. Is that it? Sephiroth believes that's the case. There. A gravestone, still very new. Zack, go find Angeal's house. I'll check the grave. Ugh, so Turks always do this stuff. Someone has to do it. Must be rough. Don't worry. We're paid much better than you are. No way! Faut que je trouve la maison de Angel. Sois prudent, la zone est peut-être déjà envahie par l'ennemi. Ouais, de fortes chances. Alors que j'ai vu un petit coffre là. Ah, par contre, faudra que je prévoie un raccourci pour cacher la webcam. Mince. Pas là, hein, mais pour plus tard. Alors, la maison d'Angel. J'en ai aucune idée. Il va falloir inspecter chaque maison. Ouh, il y a quelqu'un ? Je veux cacher quelqu'un. Bah, moi, du coup. La porte est fermée, on dirait que la maison est vide. Alors, comment tu sais que la maison est vide juste en étant à la porte? Ouh, y'a quelqu'un? Alors, oui. Ce qui est trop bien, c'est que je garde ma plume. Des petits secrets. Non, c'est juste une scène qui donne envie de pleurer et du coup. Maison info secteur. Oula, celle-là elle est particulière. Un remède. Oh, y'a quelqu'un? Oui. C'est moi, c'est le Père Noël. Ah, oh, il est tout seul. Je vais l'enchaîner. Il ouais, y a un point de sauvegarde là. Quelque chose ici. C'est pas le bon moment, j'examinerai ça plus tard. Ok. Là, pareil. Ok. Al. Fuck. Oui, ce sont des larmes d'homme. Exactement. Les coups en PA sont nuls. Bon, j'ai arrêté de sauvegarder à chaque point de sauvegarde. Au bout d'un moment, ça devrait aller. Can I help you? Greetings, ma'am. Are you Angel's mother? My name is Zack. Are you Zack, the puppy? Excuse me?
My son wrote to me once about you. Zero attention span. Restless as a little puppy. Oh, thanks, Angeal. You're not here together with Genesis, are you? No, I'm not. Don't worry. What is happening with my son? I'm not really sure. Genesis came back here a month ago with an army of cohorts. And they proceeded to take the lives of many townspeople. Genesis, he used to be such a good boy. Is Angeal? He came here. But he left his sword and went off somewhere. That sword represents our family's honor. I see. No wonder. He never uses this sword. Really, ever. I'll take care of Angeal. You should go and hide somewhere. Don't be concerned. Genesis cannot harm me. T'as un petit coffre dans ta cuisine. Ça m'intéresse. Hop. 5 balles. Du coup, je m'en veux d'avoir chopé la... la thune de la vieille dame. Angeal, où es-tu passé? Hein? Des répliques de Genesis. Quel enculé, c'est pas ma faute. Hein. Assaut explosif. Prove your honor to me. I got it. C'est pour le bien de ma mission. C'est pas ma faute. J'en ai besoin pour retrouver Angeal. Et allô? Il y a une usine aux abords du village. J'ai vu une réplique de Genesis y entrer. Tu crois que c'est leur QG? Probablement. Je suis actuellement sur une colline qui surplombe l'usine. Il faut surtout pas attaquer de front, nous entrerons par au-dessus. Rejoins-moi sur la colline immédiatement. Et qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je ne sais pas. Quelque chose ici, c'est pas le bon moment. Casse les couilles. Cher membre du soldat, merci pour vos efforts au quotidien. Après avoir reçu un rapport sur un tragique incident, je me suis mis à réfléchir au lien du sang. J'en ai conclu que si nous pouvons trouver le bonheur ailleurs que dans nos familles, pardon, cela signifie que les liens du sang ne sont pas forcément synonymes de bonheur. Ce qui fait la différence, c'est le respect et la reconnaissance, car sans cela, tout n'est qu'animosité. Le soldat doit accomplir son devoir rapidement, mais aussi prévenir le risque. Je vois pas le rapport entre le début du message et la fin, mais ok. Ça marche.
Bonus PM. Un consommable ou un... Non, c'est une matérielle. Ouais. Wesh alors. Genesis's parents were in that grave. Wait, he... his own family? We can't expect reason from him. What about Angeal? He wasn't at the house. But please, give me time. If I find Angeal, I can talk to him. If I can convince Angeal, maybe Genesis will come back too. I understand now why Sephiroth chose you. Huh? Genesis and Angeal. Those two were Sephiroth's only friends. He didn't want to fight them. That's why he refused the mission. Well, Angeal is my friend too. He's counting on you to bring them both back. Sephiroth avait des amis. Time is short. Vous imaginez? Discret ça. Très discret. Infiltration réussie. Ouais, ouais, ça se voit. Je vais vous laisser, bonne soirée, bon jeu. Bah, bonne soirée, Ista. Par devant, je m'occupe de tout ici. Tseng qui a un gros gun. Oh yeah. Zach, par ici. Attention à toi. 2 minutes. Ah putain, je peux tourner la caméra. C'est avec la gâchette. Forcément, s'il me dit d'aller là-bas, moi je me dis, il doit y avoir un coffre par là. Effectivement. Putain, toutes les opportunités qui s'ouvrent à moi. 500 balles, bah voilà, bravo. Je suis sûr que Tseng, il voulait garder la thune pour lui. Là je vois rien, ouais. Si la machine se mettait devant. Ah. Parce que pourquoi pas. Ah oh yes. Du coup j'ai paré. Aïe aïe aïe. Ou en PM nul. Ah. C'est nul. Mais c'est... Mince. Prove your honor to me. I got it. Bon, de toute façon, là, je suis assuré de réussir le combat, vu que même si je meurs, je reviens à la vie. Donc... A priori, ça devrait aller. Yes. Conflict resolved.
Zack, par ici. Il aurait pas pu m'aider par hasard. Ok. Oh, un PM nul. Ah. Remède. On dirait que les répliques sont fabriquées ici. Vérifie à l'étage, Genesis est peut-être là-haut. Ok. Attendez, parce que là, du coup. Voilà. Ici. Hop. Infinite in mystery is the gift of the goddess. J'adore quand il parle. We seek it thus and take to the sky. Ripples form on the water's surface. The wandering soul knows no rest. Settle down. Zack, the puppy. The grave at the house. We found the remains of our people there as well. It didn't take much to have them send false reports. Just some mild threats. They would have done that anyway. At least your parents would have. My parents betrayed me. They had always betrayed me from the very beginning. What do you know? Shinra left off. Allez hop, Tseng, dégage. Welcome, partner. I see. You finally made your decision. I'll respect your wishes, old friend. However, can you really live on that side? Angeal! Salut, Chara. Bon. Ah, on peut pas repartir à l'étage. Bah, du coup, Tseng, par contre, on le laisse. Okay. Tell Genesis I'm calling the police on him. Hello, fancy. BLK. Où est-ce qu'il est passé? Est-ce qu'il est sorti de l'usine? Non, c'est pas comme si elle était très grande, hein. Ça se voit assez facilement. Ah! Salut mon pote! Merci pour le follow. Thanks for the follow. Y a pas de temps à perdre, nous devons partir. On n'est pas censé les suivre alors? Toute preuve de dérapage doit être effacée, ce sont les règles de la compagnie. Une frappe aérienne va détruire ce village. On va peut-être protéger la mère d'Angel peut-être avant. Es-tu sûr qu'il n'y a personne chez Angel? Bah Dépêche-toi alors.
Ok. Je vais me dépêcher, mais voilà, avant je voulais prendre ça. Un brassard de bronze. Et une potion. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'est du coup aller voir le brassard de bronze. Ça donne des PM en plus. Nul. La caméra tourne trop vite. Genesis et ses hommes ont pris le village pour cible. T'es sérieux? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'appuie sur croix au bon moment pour détruire les obus avec ton épée. Quoi? Tu ne dois être ni trop lent ni trop rapide. Il va falloir que tu te concentres. Tu penses pouvoir y arriver? Faudra bien. Fais attention au son du détonateur et à la couleur de l'obus. Le son du détonateur? Ça ressemble à ça, ouvre tes oreilles. Attaque en écoutant le son et en observant la couleur de l'obus. Compte sur toi. Nani? Le son du détonateur et la couleur de l'obus. Je dois retrouver la mère d'Angel avant la frappe aérienne. Les obus vont foncer sur Zach. Évaluer les distances et écouter le son de leur détonation. Le son de détonateur va s'atténuer et la couleur de l'obus indiquera... Ok. Ok. Ok, ok. Si vous ratez votre coup, l'obus va toucher Zach. Sans blague. Zach ne sera pas blessé et détruire ses obus devrait être un jeu d'enfant. Okay. Allez. Merci. Ok. Le truc, c'est qu'ils ralentissent à la fin. Ça prend combien de temps cette merde? Pourquoi ils mettent à chaque fois des mini-jeux? Pas trop ça pour l'instant. De quoi? Le jeu? Livreur de journaux. Tiens, il y a des hélicos au-dessus du village. Livreur de journaux, le tas de cendres. Le truc de l'obus. Bah, c'est pas ouf quoi, mais bon. J'ai réussi. Les attaques ont cessé. C'était vraiment mauvais, tu peux mieux faire. Quoi? Je viens d'apprendre que la frappe aérienne allait débuter bientôt. Tu dois te dépêcher. Comment ça c'était plutôt mauvais? Dès que ça devenait rouge et qu'il y avait le bruit de détonation, j'appuyais. J'espère que la mère d'Angel va bien. Je dois faire vite. Je vois pas ce que j'ai mal fait. Il a un smartphone, c'est un iPhone, je parie. Ben... Avec un portable qui s'ouvre et qui se ferme, non. Donc non, c'est pas un iPhone. Il y avait déjà des portables dans Final Fantasy VII. Ouais, mais normalement, il les tranche, tu te les ai tous pris. Bah ouais, ouais. Mais parce que je pensais pas que je faisais un truc mauvais, donc je faisais toujours la même chose. J'ai expliqué notre situation et la frappe aérienne est légèrement retardée. Ça va te laisser un peu de temps. Merci Tseng. Il
Et y a pas de sang, ouais. What the hell did you do, Angeal? Is that your idea of honor? My mother could not continue to live, and neither can the son. What are you talking about? What's going on here? I told you. You can't live on that side anymore. Angeal! Angeal! My friend, do you fly away now? To a world that abhors you and I? Shut up! All that awaits you... Shut up! I'm warning you! ...is a somber morrow. No matter where the winds may blow. I don't see Sephiroth today, but... Are you going... Ouais, mais maintenant les smartphones pliables, ils veulent faire en sorte que ce soit l'écran carrément qui est pliable. Bah yes Bahamut. Salut Bahamut. Une invocation, c'est comme ça alors. Ok, j'ai esquivé. Bon, j'ai toujours un surplus de façon de vie. Je suis à 1000 PV sur 800. Donc ça passe. Mais non. Bon, après, encore une fois, hein, j'ai toujours mon bonus de vie. Oh mais non, genre ça prend plus de temps. Ah, je peux maintenir, ok. Invincibilité, yes. Ah mais non, maintenant j'ai plus mon invincibilité. Oh, ça tombe mal. Mega Tomium. Holy moly! Cinématique. Pareil. Ah oui, parce que j'ai un truc contre les attaques magiques. J'avais une invulnérabilité magique. MDR. Sephiroth. Octofrappe. Et un petit double 3 qui augmente mon sort de soin vu que j'ai changé. C'est parfait. 480p de la PSP. Bah ouais. Hein. Que veux-tu? Ah mais non, il faut que je pars, hein, ça sera mieux. Merde. Ah le con. Oh putain. Yes. Hors blazer, alors si je peux éviter. Pas du tout. Mega Atomium, alors là par contre. Je peux passer, ouais, yes. Ça fait mal.
Je me soigne. Bahamut invoque la fin du monde. Lun PTDR, j'ai une amulette. C'est ça. Allez, Tsang, aide-moi, mon pote. Yes. 3-3, donc ça augmente mon sort de soin. Parfait. Frappe aérienne. Is this the end? I'm trying. Oh, con, PM nul. Con en PM nul, hein. J'aimerais bien un con en PM nul. Pas il est loin. Oh, je l'esquive. Oh, j'ai réussi à bloquer. Et je l'ai battu. Et j'ai gagné un brassard. Alors que mon retour Twitch est mort. Et qu'il y a une matéria de Bahamut. Ok, première invoque Bahamut. Ça fait tellement de temps sur ce boss fight. Ah ouais? What happened to dreams and honor? We are monsters. We have neither dreams nor honor. Ouais, ils volent avec une seule aile, mais non. Soldier doesn't mean monster. C'est vrai qu'il y avait ça. Putain! Fais des drifts dans les airs. Ah bah, y'a plus de pommes sautes, hein. Angio. D'ailleurs, je fais Tilt Zero et le jeu aussi a un thème sur les horreurs de la guerre. Ah ouais? Ben, il est dans mon marathon, le type 0, donc on verra ça le moment venu. Angeal, the war is over. Everyone's real happy. As for me... That sword represents our family's honor. Australie. You're a little more important than my sword. But just a little. Where did you go? Alors, on a eu de l'actualité en un rien de temps. Hein. On avait le village en feu comme l'Australie. L'hélicoptère avec Kobe. Come to Lazartrum. Oh, all right. Il y a Sephiroth qui vient de m'appeler. Ragez pas les mecs. Un ange vêtu de blanc. Est-ce que tu as vu un type aux cheveux noirs qui porte une veste blanche et des lunettes avec une queue de cheval? C'est Ojo, le directeur du département scientifique. Il a gravi les échelons après avoir découvert une méthode permettant d'utiliser des cellules de Genova afin de créer des membres du soldat. Il y a 20 ans,
Les scientifiques se seraient lancés dans une grande campagne de recherche pour gravir les échelons. Ojo est dans la salle d'entraînement en ce moment. Je me demande ce qu'il fabrique. Peut-être que j'essaierai de me faufiler là-bas plus tard. Bah, fais pas le con, Raymond. Alors attendez. Du coup, est-ce que j'ai pas récupéré la... J'ai pas récupéré la matéria de Bahamut. Par contre, j'ai gagné ça. Une attaque puissante. Est-ce que ça serait pas mieux que mon cyclone d'assaut? Je vous le demande. La training room. La salle d'entraînement est actuellement occupée par le département scientifique pour une expérience top secrète. Aucun membre du personnel n'a donc le droit d'y entrer, et c'est aussi valable pour le soldat. Mais comme je suis un lâche, je n'ai aucun moyen de vous obliger à respecter cette interdiction. Je dois donc faire appel à votre bon sens et espérer que vous n'entrerez pas. Est-ce que j'ai envie de voir vraiment les trucs de Hojo? Pas vraiment. Parce que je suis un peu perdu. Une grande organisation anti-Shinra sème la terreur partout dans le monde. Ils s'appellent Avalanche, j'ai entendu dire qu'ils étudiaient la vie de la planète. Avalanche, tiens donc, celle des matériaux. Chaque matériau renferme le savoir des anciens, une race qui a vécu sur cette planète pendant longtemps. On raconte que les anciens avaient le pouvoir de parler avec la planète. Ils savaient contrôler les pouvoirs de la planète, ce savoir est ce qui nous lie à la planète et permet de jeter des sorts. Au fait, il paraît que la race des anciens s'est éteinte il y a bien longtemps. Faire là. Les matérias formés naturellement sont extrêmement rares, mais les pierres Mako sont plutôt courantes. Une pierre Mako est une matéria cristallisée, créée par concentration d'énergie Mako. Seule, elle n'a pas les mêmes effets qu'une matéria, mais nous pouvons la changer en matéria. Des membres du soldat vont parfois en chercher, vous devriez faire de même. Ce n'est pas quelque chose dont on peut parler en public, mais le département scientifique faisait des recherches sur la réplication de membres du soldat. Vous vous souvenez d'Angel? Je crois que sa mère participait à ces recherches à l'époque. Intéressant ça. Par là plutôt. Bon, les pecnos qui parlent, on s'en fout. Salle de briefing. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça ici. Pendentif étoilé. Protège contre poison. Bah non, du coup. On s'en bat les couilles. Hein.